Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Je vous fais cette vidéo un petit peu impromptue aujourd'hui, comme un certain nombre d'entre elles, vous me direz, parce que j'ai reçu cet après-midi une vidéo d'une de mes partenaires que je vais d'ailleurs vous présenter, qui est Maryse Le Houx et qui est une experte en yoga. Et Maryse a fait une vidéo sur le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de perdre leur féminité à travers un excès de confiance en soi. Et ce que je trouve fort intéressant, parce que c'est vrai que je l'ai aussi entendu, et ce qui m'a interpellée là-dedans, je me suis dit, mais en fait, ceci est extraordinaire parce que, en réalité, alors elle était évidemment d'accord avec moi sur le fait qu'on peut être tout à fait féminine et avoir une grande confiance en soi. Et moi, je me suis dit, mais finalement, dans mon travail, dans l'accompagnement que je fais avec mes clientes, avec vous, mes beautés rayonnantes, eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'aide les femmes, alors j'aide les hommes aussi, mais lorsque je suis avec une femme en particulier, je vais aider cette femme, je vais aider la femme à révéler sa féminité, à être encore plus féminine. Et cette révélation de sa féminité va en fait développer sa confiance en elle. Donc, Maryse parlait de côté plus masculin dans la confiance en soi. Et c'est là que je me suis dit, mais en réalité, finalement, qu'est-ce que fait le conseil en image? Eh bien, il joue le rôle du yin et du yang, en quelque sorte, c'est-à-dire à la fois développer le côté plus doux, plus féminin de la femme, tout en renforçant son côté plus yang, plus masculin, qu'est l'assurance, la confiance en soi et le rayonnement. Voilà, c'est juste une petite idée qui m'a traversé l'esprit, et puis je me suis dit, en préparant mes affaires pour aller donner un séminaire de 2 jours auprès d'une entreprise demain et après-demain, ben voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous savez aussi que je vous ai invité récemment à me dire quels sont les thèmes que vous aimeriez que je couvre, parce que je les couvrirai avec grand plaisir à travers ces minutes. Donc, n'hésitez pas, vous allez trouver tous mes coordonnées. Si vous avez également envie de recevoir des vidéos un petit peu plus conséquentes, vous avez de quoi cliquer sur le lien en dessous. Me retrouver également sur d'autres plateformes de communication. N'hésitez pas à partager. Et puis, je vais également faire de plus en plus de vidéos live parce que je trouve ça extraordinaire. En tout cas, merci et à très vite. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!